On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du début de semaine, direction l'hippodrome du Putois à Compiègne pour le quintet du lundi. Le prix de la Rochelle, départ 13h50, du steeple, 16 partants, 3800 mètres. Terrain minimum, à mon avis, très souple. Voilà, il va y avoir des pluies ce week-end. Donc, je pense que le terrain sera minimum, donc très souple. Une lisse à 0 mètre, quintet très, très, très compliqué. Donc, je pense qu'il va être rémunérateur. J'espère le trouver. On démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant, le numéro 3 à Gloris. Association Zuliani-Nicole. Le cheval a couru 6 fois. À part une chute pour ses débuts, le cheval a toujours fini dans les 6 premiers, une fois 6e et 4 fois dans les 3. Il vient de s'intercaler à Auteuil entre Saint-Urgeon et Grand Clermont. Une ligne pour moi qui tient la route dans une course à condition. Début de quintet, début d'handicap. Si le cheval y s'adapte, pour moi, il jouera la victoire. Deuxième base, le numéro 15, Rod Mixtavel. Un cheval que j'avais pris premier outsider à Pau pour son premier quintet. Il a bien tenu sa partie, fait une faute et ensuite son jockey pose les mains. Les deux dernières fois qu'il a couru en steeple, la jument a fini bonne troisième. Et j'ai bien aimé sa course du mois de février. Elle a fini avec beaucoup de ressources troisième derrière Flèche Rouge, qui a ensuite gagné sur l'hippodrome d'Auteuil. Et Flèche Rouge a déjà fait l'arrivée de quintet. Ça a été plusieurs fois ma base gagnante dans les tiercés. Sur cette ligne-là, revenir encore sur du steeple, ça peut créer la surprise. Le challenger, le numéro 1, My Way. My Way va débuter quintet plus handicap. A couru 14 fois. 14 fois dans les 4, 12 fois dans les 3. Association La Jeunesse Macaire. On appelle Nathalie de Souter, même avec le plus gros poids, va débuter sur l'hippodrome de Compiègne. Ça peut créer la surprise. Le premier outsider, c'est le deuxième atout, La Jeunesse. Là, il n'y a pas Guillaume Macker à l'entraînement. Le Haras de Saint-Voir, Clément Lefebvre, le numéro 5, Ding Ding Dong. Un cheval qui a dû avoir des problèmes de santé. Il a 8 ans, il a couru que 13 fois. Il vient de débuter brillamment sur l'hippodrome de Compiègne dans une course à conditions en s'imposant très très facilement. Si le cheval n'est pas dérangé par le quintet et les pelotons touffus, a déjà réussi handicap 2018 sur l'hippodrome d'Auteuil, je pense que ça peut bien faire. Deuxième outsider, le numéro 8, Follow Me Solder. Il a eu le luxe de battre My Way, mon challenger. Donc sur cette ligne-là, c'est pas mal. Tout terrain, il n'y a pas de problème. Le cheval est tombé à Clairefontaine pour son premier quintet le 22 août. Maintenant, il vient de réussir de nouveau dans les handicaps. Donc c'était la première fois, bon quatrième. D'ailleurs, Peggy, Yellowfield et Garibald, donc trois chevaux que je n'ai pas gardés, qu'on retrouve dans ce quintet-là. C'est très touffu, ça va être un petit peu chacun les siens. Si à la bonne course, 4-5e, je pense que le cheval peut réussir. La suite du pronostic, le numéro 16, Drop Flight. Lui, il lui suffira d'être sérieux du début jusqu'à la fin pour être dans la bonne combinaison du quintet. Il vient de retrouver le chemin des arrivées, quatrième sur l'hippodrome d'Auteuil. Il lui suffirait de répéter cette course-là, vu qu'il a déjà réussi à Compiègne. Voilà, vous savez tout. En 7e position, le numéro 4, Jena Desmottes. Jena Desmottes, cheval encore tout neuf. 5 courses, a disputé une seule fois le steeple, vient de s'imposer sur l'hippodrome du Putois sur 3450 mètres. Début de quintet, début handicap. Kazakh Mounir, François Nicole, Gaëtan Mazur. C'est toujours un trio qui marche très très bien, faut s'en méfier. Et je termine avec le numéro 10, Fusion de Beaune, la spécialiste de l'hippodrome de Compiègne, une jument qui fait toutes ses courses, elle a 6 sur 7 sur le steeple. Maintenant, il n'y a pas une grande marge de manœuvre, début de quintet, début de handicap. Il y a du pour, il y a du contre, je la garde en bout de sélection. En cas de non partant, le numéro 2, Enola Gay, qui va rentrer, je pense, dans sa période de forme, vient de faire une semi-rentrée moyenne. Yannick Foin qui appelle James Revelet, donc c'est une indication à prendre très au sérieux, à mettre dans un champ réduit. Ma seule impasse, le numéro 9, Goudari. Goudari a changé d'entraînement, Alain Coutil ne l'a plus dans ses boxes. Maintenant, c'est un cheval, je pense, il est quand même meilleur soit dans des réclamés,
soit dans des petites courses à condition quintée, je le pense surclassé. Nous passons au cheval du jour. Alors, j'ouvre la page du jour pour celui de lundi, à Lyon à Soie. Pour vendredi 9 avril, en réunion 3, course 4, le 7, Ferré de Ligny. Pour l'instant, c'est en quinconce, un coup oui, deux coups non. J'arrive pas à être régulier, on va essayer de faire mieux. Le 7, Ferré de Ligny, 4e. Les trois quarts de la course sont parfaites, bien drivées, tout ce qu'on veut. Je pense que rester à la corde, c'était la meilleure option, vu qu'il y avait du train et que ça avançait. Et que quand même, tu as le temps de sortir à 3 dans la ligne droite à Saint-Galmier. Il a préféré prendre le dos du 2 qui était pour moi un petit peu sur ses fins. Il a dû tourner à 3 et je pense qu'on perd le podium à ce moment-là. C'est dommage. On espère reprendre le cours des bonnes choses avec Femus Sport sur le programme de Vincennes samedi. Et pour lundi 12 avril, en réunion 3, course 3, c'est encore des i. C'est un cheval que je suis depuis les qualifications. Il s'est qualifié en 20 moyennement. Il a débuté sur l'hippodrome de Biorel-les-Rouen. C'est un hippodrome de province, corde à droite, né au vent tout le parcours avec Laurent Michel David. Après, il a pris la tête. Il s'est imposé très facilement sur un 2500 mètres. Il va courir à une semaine. Mais je pense que si Sylvain Roger le présente, c'est pas pour rien. Il appelle Alexandre Abrivard. Donc en réunion 3, course 3, le 9, Illico de Javi. Il monte forcément un petit peu de catégorie. Les trois quarts du peloton ont tous couru sur 2000 mètres, 2100 mètres. Là, c'est un 2007. Je pense que Illico, il a le fond. C'est un prix de série, donc très homogène. S'il a la bonne course, je serais déçu d'être hors du podium, tout simplement. Et pourquoi pas gagner, parce qu'il m'a l'air d'avoir un sacré coffre, le fils de Cliff du Pomereux. Voilà, nous les amis, on se dit à demain. Je vous souhaite un bon visionnage, de bons gains et de bons jeux, les amis. Merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.